N'a pas salué ça qu'a fait au Cap. N'a pas salué grand public là. Et nous avons remarqué que la rue a déjà expliqué nous tout bagaille. Yon événement à nul autre pareil. Côté que depuis notre défilé, ça n'a pas gardé, ça n'a pas vivre des corps qui gagnent. Et yon n'a pas qui attire le grand public là, c'est connaissance que y a fait avec un ensemble de photos d'anciens directeurs que bien longtemps qui disparaît dans la galerie lycéen et que dans la recherche pas moins m'arrive à découvrir côté dans l'entreprise et moi récupérer 9 dans yo et c'est avec yo nous faire pas quoi en pile chaleur en pile contentement en pile bravo. Lycée Philippe Guerrier, c'est le doyen des lycées de la République. Parce que tout gros dirigeant, en fait, et ministre, député, sénateur, magistrat, en général, dans la ville, ça passe dans le lycée. Ça. Les palais de lycée, et par rapport à monde qui construit le lycée, ça, Philippe Guerrier en 1844, il était déjà défini, ben, les grandes lignes, que le lycée ça, son lycée qui doit servir de modèle parmi toute l'école publique qui existait. Donc, c'est ça qui fait que nous-mêmes, je dis, nous pas de quitter 180 ans, ça passait pour ne pas marquer. Et, bon, bon gros intellectuel que nous connaissons qui passait là-dedans, tant que les Anob Toussaint, tant que Georges Marc, le Grima, pour ne citer que ça. Donc, et Mounzao, c'est des références en dans ville là qui ont été. Donc nous pensons que nous-mêmes, si Moun que nous avons formé là, nous voulons que demain, si vous voulez, nous remplacer Mounzao valablement.